Salut les fabuleux lecteurs, je m'appelle Mathieu Fortin, je suis écrivain et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ma relation avec la collection Frisson. La collection Frisson pour moi, c'est une collection remplie de souvenirs. J'en lisais quand j'étais ado, mais mon meilleur souvenir, c'est que j'ai partagé ces lectures-là avec ma sœur qui était vraiment une accro des Frissons. Elle les dévorait, elle les a tous lus, elle a même gardé ses livres, même 30 ans plus tard, elle les a encore chez elle. Le défi d'écrire un Frisson est intéressant aussi. Écrire un roman où il y a du suspense, où le lecteur va être surpris par des révélations choc d'un chapitre à l'autre. On fait des chapitres qui sont travaillés pour que le lecteur ait envie de continuer sa lecture et soit incapable de décrocher. Et ça, c'est un défi que j'aime bien relever. J'en ai écrit deux, Frissons. J'ai écrit en premier L'ombre du rôdeur. L'ombre du rôdeur, c'est un roman qui met en scène Alice, une jeune fille qui se réveille un matin avec l'impression d'avoir été observée toute la nuit. Quand elle prend l'autobus pour partir pour l'école, elle regarde par la fenêtre et elle aperçoit, entre sa maison et celle de ses voisins, une silhouette sombre. Il y a vraiment un rôdeur qui est venu observer par sa fenêtre pendant la nuit. Ça devient vite pour Alice une obsession de comprendre qui est ce rôdeur et qu'est-ce qu'il lui veut à elle. J'ai ensuite écrit Transfert mortel, qui met en scène Adélaïde, une autre adolescente, qui rêve de devenir astrophysicienne. Elle aimerait bien rencontrer le docteur Tran de l'Observatoire de Creuse Vallée. Et, tout à fait par hasard, elle reçoit une invitation à faire un stage à Creuse Vallée. Ça, c'est une petite ville dans le nord québécois où Internet et le cellulaire ne fonctionnent pas vraiment. Quelques mois plus tôt et même quelques années plus tôt à Creuse Vallée, il y a eu des drames qui ont des répercussions encore aujourd'hui et Adélaïde va se retrouver prise dans des machinations dont elle doit essayer de se déprendre. La collection Frisson, c'est une collection de romans pour les lecteurs de tous âges qui ont envie de vivre des sensations fortes. Et ça, depuis 30 ans. Bonne fête, Frissons!